Le Beit HaMidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevsner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh le'it ached, il faut s'unir » à l'yédé limoud par l'étude à kolel qui inclut et à Torah, la Torah kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 34e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien. Nous sommes dans Ilchot Talmud Torah, dans les lois concernant l'étude de la Torah, au Perek Ramchi, au 5e chapitre. Maintenant, nous allons parler de l'honneur dû à l'enseignant de Torah, à son Rav, et quelles sont les manières où on peut discuter l'enseignement de son Rav. Alacha Aleph. Keshem she'adam metzuvé bichvod aviv ou virirato. Comme un homme, il a l'ordre d'honorer son père et de le craindre. Ainsi, il est obligé d'honorer son maître et de le craindre. Verabo yater me'aviv. Là, le Rambam dit que son maître, plus que son père. Pourquoi? Son père lui a donné la vie dans ce monde. Verabo shelimdo chochma. Son maître qui lui a appris la sagesse de la Torah. Mevio lechaya olamaba, il l'amène au monde futur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ra avedat avi va avedat rabo. Il a vu un objet perdu par son père et un objet perdu par son maître. Il a l'obligation de faire ashavat avedat, c'est-à-dire de rendre à chacun son objet perdu. Shel rabo kodemet leshel aviv. Ben, il doit d'abord rendre à son maître avant de rendre à son père. Aviv verabo nosim bemassa. Il voit son père et son maître qui sont chargés. Maniach et shel rabo. D'abord, il va aider à décharger son maître. Veacharkar shel aviv et après son père. Aviv verabo shvuim bashivia. Son père et son maître sont emprisonnés. Et à l'époque, c'était déjà à l'époque de la Gemara, il fallait payer une rançon. C'est une mitzvah qui s'appelle Pidyon Shvuim, ça fait partie de la Tzedaka. Et on nous dit, en mitzvah gdola que Pidyon Shvuim. Il n'y a pas de mitzvot aussi grande que Pidyon Shvuim. Podet Rabo, d'abord, il va donner l'argent pour son maître. Vacharka Podet Aviv, après pour son père. Vemaya Aviv Talmid Rachamim. Et si son père, c'était un Talmid Racham, Podet Aviv Trila. D'abord, il va racheter son père. Vechenimaya aviv, et même ainsi, si son père c'était un chacham, dans certaines éditions du Rambam, c'est marqué Tamit chacham, afalpicheno shakul keneged rabo, même s'il n'est pas équivalent à son maître, avedato, alors la perte de son père, elle doit être ramenée d'abord, fachakarf meshiv avedat rabo. Et après, tu rends la aveda de ton maître. Donc ici, on voit qu'il y a une importance dans le limud Torah à tel point qu'on fait passer le kavod du maître avant le kavod du père. Dans la halakha, concrètement, comment ça se passe? Dans le Shulchan Aruch, le Rama, il explique que le rav, il passe avant le père, seulement quand le rav, il enseigne gratuitement. Si c'est un rav qui reçoit un salaire pour ça, il n'a pas à passer avant. D'autre part, aujourd'hui, on est un petit peu sceptique dans l'histoire du Rav, de savoir qu'est-ce que aujourd'hui ça s'appelle un Rav, et jusqu'à quand on peut mettre son père en danger pour cela. Donc on va retenir simplement l'idée maîtresse de la halakha, que le kavod de son Rav, c'est très important. Ve'en lecha kavod gadol mikevod arav. Et le Rambam dit, il n'y a pas d'honneur plus grand que celui donné à son maître. Ve'lo mora yater mimora arav. Il n'y a pas plus grande crainte que celle donnée à son maître. Amrou Chachamim, les Chachamim, ils ont dit, Mora Rabach,
Kemora Shamaim, que la crainte de ton maître est semblable à la crainte du ciel. Les Fichar, c'est pour cela. Amrou, les Chachamim, ils ont dit Kola Cholek al Rabo. Tout celui qui va remettre en cause son maître. On verra plus tard ce que ça veut dire. Kecholek al Ashrina. C'est comme si il était en train de remettre en cause Akadosh Baruch Hu lui-même. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Datan et Aviram, ce sont deux personnages avec Korach Vaadato qui se sont mis ensemble pour se révolter contre Moshe Rabbeinu. Et lorsque on parle de ces gens-là, la Torah elle dit Behatzotam al Hashem, lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ne se sont pas rebellés contre Dieu, ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. De là, on apprend que se rebeller contre son maître, c'est comme se rebeller contre la Shrina. Vechola ose meriva im rabo, et tout celui qui va se disputer avec son maître, qui va aller dire du mal de lui, ou même se disputer de manière virulente, ke ose im Ashrina. C'est comme si cette dispute, il l'a fait avec, du moins contre la Shrina. Shrina, comme c'est marqué, Asher ravu bnei Israël et Hashem. Ça concerne Memeriva. Memeriva, c'est après le départ de ce monde de Myriam, il n'y a pas d'eau. Et donc les Bnei Israël, ils disent, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Ils se plaignent. Et là-bas, c'est marqué l'histoire, la dispute que les Bnei Israël, ils ont fait avec Hachem. C'est pas avec Hachem, ils se sont disputés contre Moshe Rabbeinu. Ben, c'est comme si c'était contre Hachem. Vechol amitraem al rabo. Et tout celui qui dit sur son maître qu'il se comporte pas normalement, Kemitraem à la Shrina, c'est comme s'il faisait cela à la Shrina, c'est-à-dire parler du mal de la Shrina. Chez Neymar, comme c'est marqué, Moshe Rabbeinu, lorsque les Bnei Israël viennent se plaindre et ils disent on n'a rien à manger, Moshe Rabbeinu, il dit Lo alenu telunotechem, qui est à la Shem, c'est pas contre nous, Moshe Aaron, vos plaintes, c'est contre Dieu. Vechola me'arer achar rabo. Et tout celui qui remet en cause son maître. Alors, à me'arer ici, si on traduit, ça veut dire celui qui a des pensées contre son maître. Mais ça veut dire, ici encore une fois, une autre manière de dire celui qui parle contre son maître. Kemeharer achar ashrina. C'est comme s'il parlait contre la Shrina. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vaidaber aham be'elokim uve Moshe. Que le peuple juif a parlé contre Dieu et contre Moshe. Ils sont à l'équivalent. Là-bas, c'était une énième plainte concernant la nourriture dans le désert. Alachabet. Ezehu cholek al rabo. Ça veut dire quoi? Être en machloquette, être en train de remettre en cause la vie de son maître. Rambam dit Zé Shekove alo midrash, c'est celui qui fixe un bet amidrash, une maison d'études, Veyoshev, Vedoresh, ou Melamed, et il est assis là-bas, il explique, il fait des cours, et il enseigne Shelo Birchut Rabo, sans l'autorisation de son maître. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est pas qu'on n'a pas le droit de dire à son maître, mais je comprends pas, ou ce que vous avez dit, c'est pas comme ça, ou bien c'est arrivé des gdolim qui ont appris dans des yeshivot, et après, lorsqu'ils sont devenus indépendants dans le limoud, ils ont dit, on a appris comme ça, mais moi, je pense autrement. Non. Alors, le Shulchan Aruch, il dit, on peut remettre en cause si on a des preuves, si c'est au niveau du limoud, et qu'on est à un certain niveau de remettre en cause. Pas simplement dire, oui, le rav, il dit n'importe quoi. Maintenant, Verabo Kayam, et si tout cela, c'est en présence de son maître, alors ça s'appelle qu'il est cholek al rabo. Et quand on dit rabo kayam, c'est simplement qu'il est vivant. La preuve, ve'afalpi sherabo medinat acheret, et même si son maître il est dans une autre contrée, et que lui il est dans un autre endroit, et ben ve'asur le adam le orod bifne rabo, un homme il n'a pas le droit d'enseigner devant son maître, le olam, tout le temps. Ve'chol amore alacha bifne rabo, et tout celui qui enseigne une halakha devant son maître, Hayav Mita et les Hayav Mita. On a vu l'exemple avec deux enfants de Aaron à Cohen qui ont enseigné devant Moshe Rabbeinu et ils en sont morts. Alors attention, le Shulchan Aruch ici aussi il est clair. Il dit que ici enseigner, c'était à l'époque où toutes les choses n'étaient pas tranchées, n'étaient pas imprimées, etc. C'est faire des chidushim, ça veut dire aller dans la nouveauté. Bien sûr que si quelqu'un il voit une personne et il lui dit, est-ce que tu peux m'enseigner la halakha? Il ne va pas lui dire, non, je n'ai pas l'autorisation de mon maître. Il lui suffit d'ouvrir le Shulchan Aruch et ils étudient ensemble, ou en la Gemara, la Chassidut, ou autre chose. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est de faire un Bet HaMidrash qui soit un Bet HaMidrash innovant et qui va aller contre son maître. Maintenant, ça veut dire quoi? Que la terre entière
elle doit attendre à ce que chacun s'installe, trouve ses marques pour pouvoir après prendre la suite de ce maître. C'est la raison pour laquelle le Rambam va définir qu'est-ce qu'il faut comme condition pour pouvoir finalement dire, eh ben oui, j'ai étudié chez Rav un tel, maintenant j'ouvre ma propre maison d'études et j'enseigne à ma manière, différent de lui. Donc, Alakha Gimel, Aya Beno ou Ben Rabo Shnem Asarmil. S'il y avait entre lui et son maître une distance de 12 km, à peu près 12 km, Shnem Asarmil, c'est 12 000, ça fait, on va dire, à peu près 12 km pour simplifier les choses. Bon, à l'époque, c'était une sacrée distance. Veshal ou Adam Davar Alakha. Il y a quelqu'un qui lui pose une Dvar Alakha. Moutar le Hashiv. Il a le droit de répondre. Ou la friche mina issou. Maintenant, si c'est pour empêcher quelqu'un de faire un issou, Afilou Bifne Rabo Moutar le Harot. Même si c'est devant son maître, il doit tout de suite dire à la personne, non, ne fais pas ça, Moutar le Horot, il a le droit de enseigner. Ketsat comment? Kegon Shira Adam Osedavaraso. Il y a un homme qui voit une personne qui est en train de fauter. Mais Pnechelo Yadabe Isuru, parce que cette personne, elle ne sait pas, il croyait que c'était Moutar, c'est Assur. Omi Pnericho, ou bien parce qu'il fait exprès. Yeshlo le Africho, il faut tout de suite faire en sorte qu'il arrête sa vera, qu'il soit mis de côté, Velomarlo, et de lui dire, Davar c'est Assur, arrête-toi, c'est Assur. Enfin, Filou Bifnerabo, même si le maître il est présent. Vea Falpi, Shelo Nathan, l'aura borroché, et même si son maître il lui a pas dit, vas-y, fais. Non, chez Kolmakom, chez Eshrilou Lachem, parce que là il y a un Chilou Lachem, il y a une profanation du nom de Dieu. Il est là, en train de faire une avera. En Cholkim Kavod la Rav. Là il y a le Kavod Shamaim, il y a l'honneur de Dieu, il y a l'honneur du Rav. Le Kavod Shamaim y passe avant l'honneur du Rav. Donc j'interviens. Bamedvarim Amourim, dans quelqu'un on parle, Bedavar, chez Nikronikra, quelque chose qui, voilà, une fois, il est passé dans une synagogue avec son maître, et puis il y a quelqu'un qui faisait mal quelque chose, alors la personne, elle doit intervenir, même s'il est que élève. Avalikvoa Atzmoleora, mais se fixer le titre de Moreora, c'est-à-dire d'enseignant de la Lacha. Veleshev ou Leorot, Lechol Shoel, et de répondre à chacun qui pose une question, à Filou, même. Besof Aola ou Besof Aola, même si lui il est d'un bout du monde. Verabou Besof Aola, mais son maître il est de l'autre bout du monde. Asur lo leorot achiamutrabo. Il ne peut pas enseigner tant que son maître il est encore vivant. Et la imken atad reshut mirabo. Seulement si son maître il lui a donné l'autorisation. C'est un petit peu aujourd'hui le système de la smicha, où c'est un diplôme qui autorise la personne qui le reçoit à enseigner la halakha yore yore. Velo kol mishemet rabo mutarlo. Et des fois même, après la mort du maître, on n'a pas le droit d'enseigner. C'est donc velo kol mishemet rabo mutarlo. C'est pas tout celui que son maître il est mort que c'est permis, les chèvres ou les horot batora, de s'installer et d'enseigner la Torah. Et là, imken ayatamit shegia les horaya. Il faut être d'abord apte à cela et être arrivé à un certain niveau et ne pas simplement s'installer, prendre le titre de Rav Moreora alors que on n'a pas les qualités et les connaissances requises pour cela. À la fin d'Alet, Vechol Talmid Shelo Igia Leora ou Moré. Tout élève, Shelo Igia Leora, qui n'est pas arrivé au niveau de pouvoir enseigner la halakha et qui l'enseigne, Areze Shote Racha Vegasruar. C'est un imbécile, un racha, donc un méchant, un mauvais, Vegasruar, et c'est un orgueil. Ve'alav Neymar, et sur lui, on accomplit les paroles d'un pasouk de Michelet qui dit Kirabim Chalalim Ipila. Ce pasouk est expliqué comme ça. Les talmidim, les élèves qui ne sont pas arrivés à la capacité d'enseigner la halakha, alors eux, ils vont l'enseigner et cet enseignement va provoquer leur mort. C'est-à-dire qu'ils vont donner des mauvaises indications, ce qui va être catastrophique. Ren Racham Shigia Veno More. Et ainsi, mais c'est l'exemple contraire, un chacham qui est arrivé à la capacité d'enseigner, mais qui n'enseigne pas. Rezemone à Torah, donc il empêche l'enseignement de la Torah. Venoten mircholot lifna ivrim. C'est comme s'il mettait des obstacles devant des aveugles. Pourquoi? Parce que si personne n'enseigne, alors comment les gens ils sont capables de faire ce qu'il faut? Ve'alav Neymar, et sur lui il est dit, c'est dans le même pasouk de Michelet, mais à la suite, va'atsumim. Le pasouk dit que ceux qui ferment leur bouche et qui n'enseignent pas la halakha, atsumi, alors eux aussi,
ils provoquent la mort des gens de leur génération. Donc, les deux extrêmes ne sont pas bons. Eloa Talmidim Aktanim, Sheloir Boutoa, maintenant, ces jeunes élèves qui n'ont pas multiplié leur enseignement de la Torah, ils n'ont pas appris beaucoup de Torah, car oui, comme il faut, Ve'em Evachim Lid Gadel Bifneam Haaretz, ils veulent se grandir devant les ignorants, ou Ben Hatcheira, mais parmi les gens de leur ville, Ve'kovtsim Ve'yoshvim Barosh, ils sautent et ils s'installent à la tête. La din pour juger ou les horotes et pour enseigner Beisrael, hem amarbim et amachlokot. C'est à cause d'eux qu'il y a beaucoup d'histoires. Ça multiplie les histoires et les conflits. Ve'en amachrivim et haolam. Et c'est eux qui détruisent le monde par ce comportement-là. Ve'amechabim, pardon, nera shel Torah. Et eux, ils éteignent la lumière de la Torah. Vehamechablim kerem Hashem, et c'est eux qui détruisent, ils abîment la vigne de Dieu Hashem Tzevakot. Vehalem amar Shlomo bechokhmato, et Shlomo dit dans Shir Hashirim, et Chezou lanu shualim, nous ont attrapé des renards. Ça veut dire des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, des rusés. Donc ils se font passer pour des talmidei chachamim, ils ne sont pas des talmidei chachamim. Shualim ketanim, sont des petits renards. Mechabelim keramim, ils sont en train d'abîmer nos vignes, ou chamenu semadar, et à cause de cela, on va faire que nos vignes, ce soit semadar. Semadar, ça désigne le plus petit grain possible de raisin qui n'est pas encore mangeable. Et donc le fait qu'il y ait ces faux enseignants, ça fait une catastrophe pour le peuple juif. Alors je tiens à préciser ici, on ne parle pas d'enseignants. On parle d'enseignant de la halakha. On ne parle pas d'enseignant de la halakha simplement comme un professeur pourrait l'enseigner en classe. On parle de gens qui donnent des indications de halakha les masses. Comment se comporter concrètement? Aujourd'hui, il y a une manière de vérifier ça puisqu'il y a la smicha, mais la smicha ne couvre pas tous les cas et ne peut pas couvrir tous les domaines. Donc il faut aller chez des rabbinim qui connaissent, et il y a des rabbinim qui vont connaître un sujet plus que l'autre. D'autre part, ça exclut le fait que des fois, il y a des petits cours de halakha qui s'organisent. On prend le Kitsur Shulchan Aruch ou bien des livres de vulgarisation de halakha. Et ça, n'importe qui peut les enseigner. Mais là, on parle de trancher l'halakha. À l'époque, ils n'avaient pas de sfarim, donc il fallait trancher. Le danger de ceux qui n'ont pas les connaissances adéquates est décrit ici dans le Rambam. Halakha est, à solo le Talmid, un élève n'a pas le droit de likrot les rabots bishmo, appeler son maître par son nom. À Filou, chez l'Obéphana, même s'il n'est pas là présent. Donc il ne dira pas le prénom de son maître pour rien. Velo Yaskir Shemo Befanav, il ne pourra pas dire son nom lorsqu'il est présent. Va Filou Likrot Lacherim Sheshman Keshem Rabo. Et même dans ce cas-là, il ne pourra même pas appeler d'autres, par exemple des camarades de classe qui ont le même nom que leur maître, Kederer Sheose Beshem Aviv, et ceci est valable aussi pour le nom de son père. Et là, il est chané chez ma... Mais s'il veut appeler un copain, et que ce copain, il porte le même nom que son maître, et on parle ici que le maître, il soit là présent, alors on change le nom pour faire comprendre au Rav, c'est pas à vous que je m'adresse, mais à son, mon copain. Enfin, filou le achar motam, et même après qu'ils aient quitté ce monde, on fait attention à cela. Ve'ou sheye Hashem peli. Il faut que ça soit ici le nom un petit peu particulier, que tout le monde sait que ce nom-là est réservé à ce rave-là. Donc, quand on dit le nom, c'est le prénom, bien sûr. Chez Kola Shomea, parce que tout celui qui va entendre ce prénom, Yeda, chez Ouploni, tout le monde sait que c'est un tel. Donc, il faut éviter de dire le nom de son maître. Alors, bien sûr, il y a des commentateurs qui disent que c'est très difficile de ne jamais dire Avraham, Yitzhak ou Yaakov si son maître il s'appelle Rav Avraham Intel. Mais encore une fois, c'est ce que le Rambam dit, c'est un nom qui caractérise le Rav. Velo yiten shalom les rabots ou yarzir le shalom. Il ne faut pas saluer son maître ou bien lui rendre le salut. Kederer shenotnim areim ou marzirim zelazé. Comme des amis qui se saluent le matin. Et là, seulement, choché les fanav, il s'incline un petit peu devant son maître. Veomer l'obéira vechavod et va lui dire avec crainte et honneur shalom alecha rabbi. Ve'im natan lo rabo shalom, et si son maître, il l'a devancé, il lui a dit bonjour, shalom, yachsir lo, il lui dira shalom alecha,
rabbi ou mori. Donc ça, c'est le respect. Encore une fois, aujourd'hui, on voit des rabbins qui sont très très proches de leurs élèves. On est dans une génération qui a besoin de ça. Ici, dans le Rambam, on parle la manière théorique des choses. Aujourd'hui, bien sûr qu'un élève qui est respectueux, il ne va pas, surtout si son rav, c'est quelqu'un d'une haute stature, le saluer comme il salue tout le monde, ou ne pas le saluer du tout, par respect pour le rav. Alachava, vechem lo yachlot tefilav. À l'époque, on mettait les tefilin, pas seulement pendant la tefila, mais dans la journée, mais même si c'était pendant la tefila, la lachal reste la même, on n'enlève pas les tefilin bifnerabo. Pourquoi? Parce qu'on risque de se découvrir la tête à cause de cela. Velo, yasev, et là, yoshev, ke yoshev, lifna meder. Et à l'époque, c'était l'habitude de manger accoudé. Il ne s'accoude pas devant son maître. Il est assis comme il est assis devant un roi. Velo, il palait lifna rabo. Il ne faut pas qu'il se mette devant son maître pour prier et donner le dos à son maître. Velo, leachar rabo. Ni se mettre derrière son maître, que lui voit le dos du maître. Velo betsad rabo est mis à côté de son maître. Alors les raisons sont les suivantes. Premièrement, c'est de la gava de se mettre à côté parce qu'on est d'égal à égal. La même chose, s'il est derrière son maître, quand il fera les moments où il faut s'incliner, se prosterner, on aura l'impression qu'il se prosterne à son maître. Et pourquoi pas ne pas donner le dos à son maître. On comprend très bien que ceci n'est pas du kavod, du respect. Maintenant, ve'en tsarich lomar, on n'a pas besoin de dire she'asur lo lehalech betsido. La parole de marcher à côté de son maître, ela yidrachek leachar rabo, mais c'est mieux qu'il s'éloigne un petit peu derrière son maître, velo ye mechuvan kenegel achurav, sans bien sûr être directement derrière le dos, en tout cas pas vraiment derrière le dos, un petit peu sur le côté, ve'acharkar yitpalel, et après seulement il va prier. Velo ikanes imrabo la mechatz. On ne rentrera pas avec son maître dans le mechatz. Le mechatz, c'est le bain public, parce qu'il risque de voir son maître dénudé. Lo yeshev bimkom rabo. Il ne peut pas s'asseoir à la place de son maître. Velo yachriach dvarav befanav. Quand son maître dit quelque chose et qu'il explique une manière de voir la halakha. Encore une fois, on ne parle pas de la halakha comme on l'entend aujourd'hui, où nous, on a des livres qui nous indiquent à Sourin Moutar. On parle quand la halakha est encore discutée entre les talmidim et le rabbanim. Donc même si le talmid il va trouver que ce qu'il dit le rav c'est peut-être pas exact, ou bien que lui il a trouvé quelque chose qui correspond à la solution au problème, ben, il va pas le faire devant son maître, il va pas trancher devant son maître. Velo yistor et dvarav, il va pas le contredire. Velo yeshev lefanav, il va même pas s'installer à Tcheyo Marlo jusqu'à ce que son maître lui dit chef, assis-toi. Velo Yarmon Milefanav à Tcheyo Marlo Amod, et ainsi il ne pourra pas se lever sans l'autorisation de son maître qui lui dira Amod, lève-toi. Ou à Tcheytol Rechout Lamod, ou bien lorsqu'il aura demandé l'autorisation de se lever. Ou Kishay Pater Merabo, et quand il laisse son maître, Lo Yarzir Lo Achorav, il ne doit pas lui donner le dos. Et là, Nitra Le Achorav, c'est lui l'élève qui va à reculons, avec crainte, ou panav keneged panav, et son visage en direction du visage de son maître. Al-Khazayin, toujours dans le domaine du kavod dû au maître, fechayav la'amod bifne rabo, il doit se tenir debout devant son maître, mishayir enu merachok, melo enav. Dès qu'il le voit, mishayir enu merachok de loin, melo enav, avec ses yeux. On n'a pas obligé de prendre des jumelles pour voir où est-ce qu'il est son maître, mais si son maître est à portée de vue, on doit se lever, atchit kase mimenu veloire komato, et il reste debout jusqu'à que le maître se cache de ses yeux, ça veut dire qu'il avance et qu'il ne le voit plus, vachaka yeshev, et après il s'installera. Bien sûr, si le maître lui a autorisé à s'installer, il n'y a aucun problème. Fechayav adam leakbil pene rabo baregel, et un homme, il est obligé, leakbil, de rendre visite et de voir pene rabo, son maître, la face de son maître, par régal, pendant les chalosh régalim. C'est une mitzvah très très importante d'aller voir son maître pour Sukkot, Pessah et Shavuot. C'est la mitzvah qui est akbalat pnei rabo, d'accueillir et de voir son maître pendant la fête.
Alachachet. En cholkim kavod les talmid, on ne donne pas d'honneur à un talmid bifne arav devant son maître. Et là, une ken ayadere rabo lachlot lo kavod, seulement dans le cas où ce sera autorisé, ce sera si le maître montre lui-même du kavod à ce talmid. Vechol melachot sha'eved osé les rabots, et tous travaux dont l'esclave fait pour son maître, et ça va jusqu'à lorsque sha'eved ivri. Lorsque ça arrive à Kenani, pardon, ça va jusqu'à lui faire ses lacets. Talmid aussi les rabots. La même chose, un Talmid, il fait pour son maître. Il n'y a pas de limite dans le kavod du maître. Ve imaya bemakom she'en makirimoto velo ayu lo tfilin. Et si c'est dans un endroit où on ne le connaît pas et qu'il n'a pas de tfilin, c'est-à-dire qu'il n'a pas des signes qui permettent avec toutes les preuves qui fait partie du Ham Israël, Vecha Shema Yomru Evedou, et en voyant cet homme inconnu qui n'a pas de tefilin, ça veut dire qu'il n'a pas les outils, entre guillemets, qu'un juif il a toujours sur lui. Je vous rappelle qu'à l'époque, on portait les tefilin toute la journée. Alors ils vont dire, c'est un Eved. Quand on dit un Eved, c'est un Eved Kenani. Alors lui, Eno Noel Lomina Alo Velo Cholso, lui, il ne pourra pas faire les chaussures à son maître et il ne pourra pas lui enlever. Vechol Amonea Talmido Milesham Sho, et toute personne, tout maître qui va dire à son élève non s'il te plaît, ne me sers pas, donc il est moné à celui qui empêche son élève d'être à son service, moné à mimenu chesed, c'est pas bien, parce qu'il enlève la possibilité à son talmid de faire du chesed, ou pour être mimenu yirat shamayim, et quelque part s'il n'a pas la crainte du maître, parce que le maître il est extrêmement proche de ses élèves à tel point qu'il dit surtout ne me servez pas, et bien quelque part, il y a une prikatol, c'est aussi enlever le hol malchut shamayim, la irat shamayim, puisque le maître ici est le représentant d'Akadosh Baruch. Chol talmid shemezalzel bedavar mikol kvod rabo, et tout élève qui va manquer de respect, quel que soit le détail envers son maître, gorem la shrina, ceci entraîne la shrina, shetistalek mi israël, kel va partir du peuple juif. Pourquoi ? Parce que comme Morar Abar Kemorar Shemaim, puisque la crainte de ton maître, c'est comme la crainte du ciel, en enlevant la crainte de ton maître, t'enlèves la crainte du ciel. Alachatet. Ra et Rabo over al divrei Torah. Il a vu son maître en train de transgresser une parole de la Torah. Le Shulchan Aruch dit que c'est pas valable uniquement sur un issour de Horaïta, sur un issour d'ordre de la Torah, mais c'est même sur un issour d'ordre rabbinique. Alors, Omerlo, il doit lui dire, pas sous forme agressive, tu as transgressé, il doit lui dire, l'imattanu rabbenu karvekar, mais Rav, vous nous avez enseigné comme ça et comme ça, l'imattanu rabbenu, notre maître, tu nous as enseigné karvekar. Fechol zman shemaskir shmua befanav, et à chaque fois qu'il rappelle un enseignement en présence de son rave, au merlo, il doit lui dire, car limatanu rabenu, ainsi tu nous as enseigné, rabenu, notre maître. Velo yomar davar shelo shama merabo, il ne devra pas répéter quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître, ad sheyaskir shamomro, jusqu'à que il rappelle le nom de celui qui a dit. Bien sûr, c'est connu, kol amevi, Davar Beshem Omro Mevi Geola Laolam, quand on amène une chose au nom de celui de qui on l'a entendu, on amène la Geoula au monde, mais c'est aussi pour que les gens ne pensent pas que c'est ça que le maître a dit, alors que c'était uniquement les paroles d'un autre. Orcheyamut Rabo, et lorsque son maître meurt, Korea Kol Begadav, il doit déchirer tous ses habits, donc c'est pas suffisant de faire la kriya, de déchirer les habits, comme dans le deuil classique, là il doit déchirer tous ses habits, atchou megale et libo, jusqu'à qu'on voit la chair qui est de son torse. Ve eno me ache leolam, et jamais il ne pourra recoudre cet habit. Je vous rappelle qu'on parlait à l'époque où ils avaient des tuniques, et c'est pas comme aujourd'hui où on peut changer d'habit si facilement que ça. Bamed varim amourim, dans quel cas on parle qu'il se déchire tous les habits, berabo mouvak, si c'est son maître qui se distingue de tous les maîtres, chez la man mimenu rof chochmato. C'est-à-dire qu'il a appris de cette personne-là la majorité de sa chochma. C'est rabo mouvaak. Aval imlo la man mimenu rof chochmato. Mais si c'est simplement un rave
Et de ce rav-là, il n'a pas appris la majorité de sa chochma, mais il a appris chez lui, mais c'est pas devenu son rabot mouvak. A Rézé, alors ça devient Talmid Chaver. Ça veut dire que c'est à la fois le respect du maître, mais il n'y a pas le respect du maître dans le sens rabot mouvak. Et donc, obligatoirement, il n'aura pas l'obligation d'accomplir tout ce qu'on a dit précédemment concernant le kavod du rav. Aval omed milefanav, par contre, il se lève devant lui lorsque il rentre et qu'il est près de lui. Vekorea alav, kishem shekorea al kol amitim sheu mitnavel aleem. Et Dieu préserve, lorsqu'il va quitter ce monde, il se déchira les habits comme pour un autre deuil et pas entièrement comme on a vu pour Rabo Mouvak. Filou le lamen minou la davar echad, et même si on a appris de quelqu'un une seule chose, ben katan ben gadol, que ce soit une petite chose, une grande chose, omed milefan avec orea alav, il se met debout lorsque la personne est face à lui, c'est-à-dire quand elle est dans ses quatre amotes, dans ses deux coudées, alors que pour Rabo Mouvak, c'est dès qu'il l'aperçoit, et korea alav, et il fait la kriya, si Dieu préserve, il est mort. Alach hayud, chol talmid chachamim shedeotav mechuvanot, et tout talmid chacham dont la manière d'être est une manière d'être qui est honorable, précise. Alors mechuvanot, ça veut dire que c'est pas calculé dans le sens aujourd'hui qu'on le dit, c'est quelqu'un qui fait des calculs, mais c'est quelqu'un qui fait très attention à ses faits et gestes. Et nommé d'abab bifne mishu gadol miminu bechokhma. Et bien lui, c'est pas quelqu'un qui va parler. Et nommé d'aber, il ne parle pas bifne mishu gadol miminu bechokhma devant quelqu'un qui est plus grand que lui dans la sagesse. Même quand il a de quoi dire, il a une mesure de respect de ne pas s'exprimer devant quelqu'un qui connaît beaucoup plus de Torah que lui. Afalpi shelo lamad miminu klum. Même si cette personne-là, ce rave-là en question, n'est pas son rave du tout ou qu'il n'a jamais étudié avec lui. Respect du rav. Quelqu'un qui a un petit peu de jugeote, il sait qu'on n'ouvre pas la bouche quand c'est pas nécessaire, surtout quand c'est des halakhot et des enseignements de la Torah. Halakha Yudalef, Arav Amouvak, donc ce rav-là, emblématique, ce rav de qui il connaît toute sa Torah, on dirait un rabbi dans une course chassidique ou un rosh yeshiva dans une grande yeshiva, Sheratzalim Chol Al Kvodo Bechol Advarim Ailu. Ce rav, il dit, écoutez, moi, je suis Mochel, je pardonne, je passe sur tout ce que vous avez comme obligation de kavod, je passe, ne vous levez pas devant moi, etc., etc. Oh, bechad même, ou bien il y a une chose qui dit, non, s'il vous plaît, cette chose-là, vous ne me faites pas. Je sais pas, il va préciser que dans toutes les lois de kavod, rabot, de l'honneur dû à son maître, il dit, voilà, ça, je veux pas que vous me faites. Et ça, c'est l'échol talmidav, ça, il peut l'exiger, entre guillemets, le demander à tous ses élèves. Oh, l'échad même, ou bien à un d'entre eux. Arechut Beyado, il est autorisé à cela. On sait qu'il y a une différence entre le Chacham, le sage, et le roi. Le roi, il ne peut pas être mochel sur son kavod, il ne peut pas passer sur son kavod, alors que le Rav, il peut. Mais là, le Rambam s'adresse à l'élève. Ve afalpi shemachal, même si pour le Rav, il est passé, et donc il ne demande pas cela comme honneur, chayav atalmid lehadro. Quand même, le talmid doit faire en sorte qu'il l'honore, va fil ou bécha chez machal, même quand le maître a dit non, s'il vous plaît, je ne veux aucun signe de kavod, et ben malgré tout, nous en tant que talmidim, on est obligés. Je raconterai juste l'anecdote de nombreux rabbanim qui avaient l'habitude de rentrer à la choule le matin au moment de Hachem Melech, au moment de Baruch Shamar, pour que les gens soient déjà debout à la synagogue, puisque c'est des morceaux de la tfila qu'on dit debout, et que ça soit pas trop lourd de faire lever toute la synagogue, c'est gênant pour lui, c'est des fois fatigant pour les fidèles, donc il faisait attention à ce que discrètement il rentrait au moment où tout le monde était debout pour éviter trop de kavod. Alakha yudbet, keshem shatalmidim revim bichvod arav, pardon, comme les talmidim sont obligés d'honorer le maître, kach arav tsarich lechabed et talmidav, la même chose, un rav, il doit honorer ses élèves, ou les karvam, et de les approcher, d'être proche d'eux. Kachamru chachamim, ainsi les chachamim me disent, Ye kevod talmidecha chaviv alecha keshel chavecha. Que le kavod que méritent tes élèves, ça soit comme si c'était le kavod que tu donnerais à un camarade.
Tsarich Adam le Isaer Betalmidav. Il faut faire attention au kavod des Talmidim. Il ne faut pas dénigrer ses élèves. Ou les Oavam, il faut les aimer. Chez Em Abanim, car ce sont les fils Amehanim Baolam Azé Vela Aolam Abba. Que c'est eux qui vont être sa part pour lui dans ce monde et dans le monde futur. Donc il faut respecter ses élèves. Alakha Yud Gimel, Atalmidim Osifim Chochmat Arav. Les élèves rajoutent de la sagesse au Rav. Umachivim Libo. Et il lui élargit son cœur, ça veut dire qu'il a plus de vitalité et plus de. Il est plus poussé à étudier la Torah quand il a la chance d'avoir des Talmidim avec qui il peut échanger. Amrou Chachamim. Les Chachamim me disent, c'est une Gemara. Arbe Chochma Lamateti. J'ai appris beaucoup de sagesse, beaucoup de Torah. Mechaverai, Yater Merabotai. De mes camarades d'études, j'ai appris plus que mes maîtres. Ou Mitalmidai, Yater Mekula. Mais de mes Talmidim, de mes élèves, j'ai appris le plus. Les questions, ça nous permet d'aller vers d'autres pistes, etc., etc. Donc, il y a une interaction entre le Rav et le Talmid. Ou Keshem, chez Etz Katan Madlik, Et Hagadol, comme un petit bois peut allumer un grand bois, car Talmid Katan, la même chose, un Talmid qui est encore jeune, mais Chaded est Arav. C'est lui qui peut aiguiser l'esprit du Rav par ses questions et par ses réflexions, Hachiyotzi Mimenu Be'She'elotav, jusqu'à qu'il arrive à faire sortir de son maître un enseignement grâce aux questions qu'il lui pose, et cet enseignement sera basé sur Chochma Mefo'ara, sur une sagesse extraordinaire, parce qu'il y aura eu l'apport de l'élève qui permettra au Rav de développer une nouvelle manière de voir les choses. Voilà pour notre Perek quotidien.